Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette dernière série de vidéos sur les sous-marins. Voilà, j'ai pu obtenir les petits sous-marins de T10, de tier 10, voilà, ricains et allemands. Donc, on va faire deux vidéos. Peut-être 4, on verra si j'ai le temps de tourner, mais 2 vidéos c'est sûr. Donc ça veut dire une pour le Balao, une pour le U2501. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, le Mox, il est sympathique. Il est très haut ce croiseur, mais il est sympathique. Il a des dimensions pratiquement de cuirassé, alors que c'est un croiseur léger de mémoire. Je sais pas s'il a les 200. Non, si, il a peut-être les 203, donc c'est peut-être un lourd. Hein. Je suis plus sûr, je me souviens plus, mais. Mais bon, dans tous les cas, enfin, moi je le trouve classe. J'ai toujours trouvé classe ce Maxiva. Totalement un prototype, mais bon. Izumo, il l'améliore à fond, ouais, il l'a clairement amélioré à fond aussi. Montana encore. Ok. Donc on a aussi un sous-marin en face. Et ben on est parti. Va-t-on les trouver? Allez, c'est parti. Bon, Kiki. On peut pas capturer cette zone, donc c'est qu'ils doivent y être. La deuxième zone est en train d'être capturée, mais elle vient de se stabiliser, donc voilà. Donc c'est à dire qu'ils y sont aussi, donc il y a contestation Optimus Prime. Ouais, putain, oui, j'avais même pas fait gaffe, c'était deux Moxva qu'on a avec nous. Pardon, je m'excite un peu trop là. Bismarck Goliath Alsace, j'avoue qu'avoir une petite Alsace, je vais légèrement virer de bord pour en fait retourner dans l'autre sens et essayer de lui mettre les torpilles sur le Teco. Même ce Bismarck qui est... Ah ouais, attends, ce Bismarck est plus proche. On tire le sonar à 14 km. Bon bah largage alors. Largage. Épicentre, on avait commencé à le capturer mais ils sont en train d'arriver, donc forcément... On sait qu'il y a un cuirassé ennemi qui a repéré. Impulse Moutoudou. Merci. Largage. Voilà. Qu'en fait, on peut. C'est un cuirassé, hein. On peut lui larguer toutes nos torpilles. Hein. Hop! Voilà, deuxième coup. On recule et on se met sous la flotte parce que je vais être repéré à 5-7, je crois. Et là, je suis repéré à 2-2. Par contre, il a pris tarif là. Ouh, il a pris tarif! Pardon. Il est des nôtres. Pardon. Il a bu la tasse comme les autres. Cool sous-marin. Par contre, le sous-marin, c'est normal que tu... Bah ouais, mais le sous-marin aussi Oh, non mais c'est pas possible. 5 secondes, je sais pas. Non, les torpilles vont pas pouvoir virer de bord. Ah, j'ai les boules. C'est dommage. Ah, je suis déçu. Non, pourquoi tant de cruauté envers moi? Aïe. Ah, mais c'est qu'il y a le Kiev derrière moi, c'est pour ça. Et oh, je me prends les tirs pour toi! Ouais, du tout. Ça va quoi. Allez!
0 tant pis qu'ils vont toucher en... Si, les deux ont touché, mais... Ah, ça a été juste, hein. Montana qui est de profil à l'Alsace. Ah, ben là... Il en casse, hein, quand même, hein, l'Alsace. Bon, il est de profil à tout le monde, donc il est en train de se faire désinguer, hein. Allez, on remonte. De toute façon, il est mort. Voilà. C'est magnifique. C'est une victoire écrasante. Bon, on n'a pas de mérite, hein. Comme j'ai dit, hein, c'est contre des IA. Donc bon. La victoire est à notre portée. Faut se calmer 30 secondes aussi. Et ben, on va pouvoir partir avec l'Allemand tout de suite après. Parce que moi, j'ai le time de. J'ai 2 minutes encore pour continuer les vidéos. Oh là là, je suis content. Nice! Obtenu 250 points. De toute façon, on peut pas non plus en avoir 40 000 sur les batailles en coopération. Et ben, c'est magnifique! Et ben, dans le coup, voilà, on va se laisser là pour cette vidéo avec le Balao. Ben, prochaine vidéo, dans le coup, avec celui des Allemands. De toute façon, il y aura plein d'autres vidéos le jour où les sous-marins sortiront parce que je pense qu'il y aura. Sans doute d'autres tiers et d'autres nations. J'ai cru voir sur les dev blogs de Wargaming qu'il y en avait pour les Russes aussi, je crois. Donc, ne vous inquiétez pas, la série des sous-marins est pas finie, mais je ne sais pas quand il y en aura d'autres. Après celle de l'Allemand, parce que je ne sais pas quand ils vont les sortir officiellement. Donc, bah, ça sera la surprise. Mais j'essaierai après de repasser un petit peu sur les... Sur les navires, peut-être faire des sessions en porte-avions parce que, à ce qui paraît, le gameplay a beaucoup changé. Donc, à voir, on verra, on avisera sur le moment. Et bah, sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour voir mes réseaux sociaux. Il y a un lien où il y a tous mes réseaux sociaux. Voilà, à suivre si ce contenu vous plaît. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao.